Bien le bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fire, j'espère que vous allez bien les amis. Nous continuons encore et toujours War of Races, on jouera les orques et contre nous, newbie, on aura les trolls de glace. Je pense que je vais prendre les troupes expérimentées parce que j'adore ça. J'adore ça, je trouve ça excellent. Et on va partir naturellement sur les dégâts distance. Les chasseurs de tête, ils font des dégâts de salope. Alors, petit bonus. Les Grunt et les Headhunter, ils ont plus 10% de vitesse d'attaque. 2 HP régène par seconde. Et évidemment, ils gagnent 1 point de vie chaque fois qu'ils font un kill. Donc le deal, ça va être de maxer le gameplay. Early. À coup de Grunt et de Headhunter. Research complete. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué les orques. Très très longtemps. Nikos a eu les morts vivants. Et le jaune a eu les murlocs. Ok, ok. Très bien. Ah bah, je me prends un blizzard dans la gueule. Ça commence bien. Je viens à peine de prendre le premier point, j'ai pris un blizzard. Super. Je perds first fight, j'ai paumé la mine d'or direct. Il m'a donné mal à la tête l'autre jaune. Ah, de la partie d'avant. Mais moi, je l'ai mute autour des 20 minutes. Hein. J'ai senti que le mec, il avait pas de limite. Je fais hop, allez mute, ça dégage. C'est bon, pas que ça va foutre que de me prendre la tête avec un gros débile là, il y en a assez sur la planète comme ça. Non merci, je passe mon tour pour celui-là. Je suis ok pour la communication et tout ce que tu veux, mais quand t'es pris pour un con à la chaîne, non. Allez, on commence le Loctar. On perd le fight, hein, évidemment, à cause du blizzard. Si on peut juste l'emmerder. Oh, mais on a eu la mine d'or! On lui a piqué la mine d'or! Comme ça, on pique un income, ça fait 30 balles pour l'équipe. 30 x 3. Oh putain, je gagne le fight! Il a fait aucune upgrade. Ok, bah je pensais qu'avec le blizzard, on perdrait le fight. Celui qui était entre le premier et la forge. Enfin, entre le premier point et la forge, pardon. Ok, bon bah cool! Cool, cool, cool. Nico, c'est contre les humains. Le murloc est contre les nagas. Ah, problème. C'est quantité versus qualité. Je fous l'upgrade. Ah, il y a un autre blizzard sur la droite. Merde. Va falloir lâcher un heal sur le jaune. Dès que ma recherche est terminée, je suis en colin. Ou pas, quelqu'un l'a fait. Je vais faire javelot du coup. Ok. Ok, il a sorti plein de Battle Master. Il a les chocoboules. Ok. Très bien. Que nous on a maxé les upgrades. 147 de vie. Il va falloir que je passe T2 dans ce cas. Ah ouais, ah, oh là là, il va me faire mal. Oh putain, il va me faire mal. Our allies,
Donc il a craché. Il a craché 280 balles. Il faudrait le poison. Ah, il y, ah, y a la ferme à cochons aussi pour faire du pognon. Ah ouais, on va faire ça. Ah ouais. En plus, ça donne une petite régène et un peu plus de vie à toutes nos troupes. Ah, ça fonctionne aussi sur les bâtiments. Spawn va être avec les tours normalement. Ouais. Ok, bon bah bonne nouvelle. Ok. Ah, la vague de Battle Master, elle a fait mal, hein. Je vais plutôt améliorer la caserne. Je vais pas partir sur l'or parce que je suis en train de perdre à cause de la caserne du. Enfin, le T2 Battle Master. Faire un petit raider. De toute façon, ça me rajoute un grunt. Voilà, je pourrais toujours faire un peu ma quête. Je vais faire une deuxième caserne. Ça saoule, j'ai pas pu bien farmer correctement. On en a profité que 5-6 minutes du early. Les chevaliers sont un peu humides. Voilà une bonne question. Très bien. Ça m'arrange parce que j'étais vraiment pas chaud pour le faire. Allez, on récupère enfin la forge. Ou pas. Ah non, il y a une vague qui arrive. Merde. Eh merde! Petit Loctard 40. L'avantage, c'est qu'avec ce talent, plus la partie dure, plus tes unités de base sont tanky. Un très léger focus, hein, le blizzard dans la base, très léger.
1500 balles pour le T2. Après, on fait la ferme de cochon maintenant qu'on a les raiders. Je fasse la recherche de du poison aussi, parce que sur les javeliniers c'est vraiment bien. Les chasseurs de tête, pardon. Tellement habitué à jouer les trolls. Sa sortie de Majacide, attention, ça va donner. Ouais, ça fait des dégâts au bâtiment. Mais c'était pas genre ultra réduit? On sait combien. Ah non, ça a l'air de toucher spell 100%. J'ai pas bien vu de A à Z. J'ai regardé que très vite fait quand t'étais attaqué. Plus 25 à chaque niveau la ferme de cochon. Faut que je fasse un niveau grunt les lances empoisonnées. 10 dégâts par seconde. T'as pris la chair résiliente. Ah, le héros allié est mort. Ça annonce une bonne game, ça encore. Je suis en train de terminer mon T2, je peux pas réparer, j'ai déjà fait sur ces deux bâtiments. Ça coûte que 400. Ah, c'est super abordable. 300 les berserkers pour 120, c'est ultra abordable. C'est 800 les lances par contre. Alors, ça, c'est beaucoup moins abordable. Bien moins abordable même. Hein. J'ai même pas vu contre quoi il est mort. J'essaie de faire de la manipulation de visée sur mes tours pour laisser un maximum de last hit à mes grunts et chasseurs de tête. On en arrive là. Research complete.
C'est 600, parfait, on les a. C'est 25 balles toutes les minutes, c'est peu. C'est surtout le bonus de HP et de régène qui est intéressant pour nous. Berserker s'est passé à 450. Oh oui, le poison. Oh oui, le poison. Oh, le poison sur les Battle Master. Oh oui. C'est dommage que ça fasse que des dégâts. Pas de ralentissement de vitesse d'attaque ou ce genre de bonnes choses qu'on adore. Augmente le dommage des unités de un niveau. We must lend aid to our allies. Research complete. Our allies' town needs help. Research complete. Les chevaucheurs de chauve-souris. Faut qu'on fasse les filets. C'est moi où on se fait incroyablement exploser. Ah non non, on perd avec Lico très clairement. Salut Archie, ça va bien? On se fait giga ouvrir. Hein. Et c'est quand même dingue parce que les deux games de ce soir, c'est moi qui me fais focus à coup de titan. Et qui me les deux games, je me suis fait sniper à coup d'armes spéciales. Mes casernes, j'ai bouffé 3 Arthas sur la partie d'avant. Donc c'est un petit peu emmerdant de toujours être focus en premier. C'est peut-être parce que je suis l'hôte, je sais pas, je trigger les gens. Encore un blizzard. Hein. Oh, il a les mammouths. Oh, alors ça, c'est un problème. Hein. Ça, c'est un problème. Hein. Ça, c'est un très très gros problème. 2500. Oh là là, les stuns en zone. Oh yo 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 yo. C'est des sacs de vie. 2005, c'est énorme. Oh, ils ont les... Oui, oui, ils ont deux stuns. Ils ont le stun en ligne et ils ont le stomp autour d'eux. Hein? Quel cauchemar.
Le pire, c'est que c'est vrai. J'ai pas la portée. Enfin, je recrute. Voilà. Je vais faire des grunts, ça coûte moins cher et c'est aussi tanky grâce à ma quête. Ils ont quand même 139 HP de plus. Juste me pas faire enfoncer, c'est déjà un objectif. Il est encore mort. Ça fait deux fois qu'il meurt l'autre joueur. Oh là là, c'est incroyable. J'ai même pas vu contre quoi il est mort. Trois fois et il est mort contre le héros en face. Putain, trois fois qu'il meurt en 22 minutes, mais quel... Oh, quel lose, hein. Ça valait le coup qu'il fasse le héros en premier, hein. C'est trop chiant, Mammouth. C'est trop chiant. Vraiment, j'augmente mes casernes. Et, étrangement, j'arrive à tenir. Il a pas encore d'upgrade, mais il est en train de les faire là. Il a fait la quatrième d'armure déjà. Ce qui est l'avantage, c'est que mes troupes gagnent des HP max. Donc, plus ça dure, plus mes unités de base sont intéressantes. Non, battez-vous dans l'aura des tours. Ah, merde. Aïe aïe aïe. Ah, c'est un cauchemar là. Ah, je suis perdu une tour. Oh là là. Oh, le réflexe. Oh, 140 HP. Oh là là, seul le réflexe de la recrute de Grunt en catastrophe. Petite trace d'urine là quand même. Il vient jusqu'à tirer des hydres quasiment jusqu'à chez moi. Oh, ça sent bon cette game. Je la sens bien. Je la sens très très bien.
Allez, fais toutes les upgrades là, 4-5. À 192 sur le Loctar. Jamais eu les mines d'or sauf au début. Ouais, vraiment les 3 premières minutes, c'est là où j'ai eu la mine d'or, sinon je l'ai pas vu depuis. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces crabes qui sont allés jusqu'au bout du monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des morts vivants à Lycos et puis des crabes au Murloc qui ont cassé 4 tours au Naga? Il s'est passé quoi? C'était quoi cette incursion? J'ai pas compris. Il avait niveau, zéro niveau de maçonnerie hein, parce que ils ont tapé que quelques fois, ça suffit. Ah, j'ai trop de recherche comparé aux autres, je suis à 30. Ah, faut vraiment que j'augmente mes racks. Je suis parti trop technologie. Hein. Faire l'entraînement des chamans. Il me semble que la furie sanguinaire c'est niveau 3. Parce que les chamans ils ont l'expiation. Ils ont une chance de stun avec ça. Faire les kodos. Les kodos ça coûte cher. Ça coûte cher mais ça ferait de la masse. Ce serait intéressant. Déjà tout est niveau 3, c'est mieux là. Étrangement on gagne la lane. On se dit ça. C'est... Il y a une sorte de vieille équivalence qui s'est créée. Ah non, il gagne hein, quand même. Les stomps, les stuns. Le bizarre, il fait pas de dégâts au bâtiment. Hein. Ils prennent pas de dégâts par le bizarre. Ils prennent 1. Ah,
Fury, c'était le deuxième sort. Ah, faut absolument que je la fasse. Ah, j'aurais dû la faire avant même. Ah, il a pas de quoi faire un Rescue Blast et il y a un héros chez lui. Putain, je viens de lancer l'upgrade en plus. Xeros. Bah je peux pas t'aider. Mais si on peut recruter. On peut recruter. Envoyer quelques abominations histoire de faire tampon. Parce que là l'île. L'île c'est en cooldown. Encore 10 secondes pour le tien. Putain c'est compliqué hein. Il est niveau 20 déjà en plus. C'est énorme. Balles juste pour qu'il jette un sort. Pff, ça vaut pas le coup, c'est trop cher. Hein. 1200 balles pour 10 dégâts par seconde, ça vaut pas le coup, c'est trop cher. Hein. Je vais augmenter les racks. Hein. Non, oh putain, j'ai vraiment essayé. J'aurais pu sauver la tour, mais j'ai pas été assez rapide pour cliquer sur la nécropole de Lycos. Tombe de merde là. Oh aïe aïe aïe. Bon, ça me fera du Loctar au moins à défaut d'arriver à me défendre. Et avec la furie sanguinaire, ça devrait aller beaucoup mieux maintenant normalement. T'es pris un joli pyroblast dans la gueule, toi, non? Je t'ai vu te faire wiper. L'autre, il fait ce qu'il veut, hein. Il sait qu'il n'y a pas de rescue blast. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était le pyro, ouais. C'était la pyro. Bon, pour une fois, c'est pas moi qui mourrai en premier, mais ça va être encore une défaite. Putain, ça me dégoûte, quoi. Oh là là. Oh bah putain, elle a été courte, celle-là, hein. Non. Bon bah moi j'ai perdu qu'une tour. Putain je remontais enfin, vous déconnez. Je touche enfin la mine d'or après 30 minutes d'écrasade totale. Quelle déception.
Quelle déception, 34 minutes. Bon, une fois je meurs en dernier, ça fait bizarre. Non, j'avançais sur ma lane. Ah, oh, j'avais 311 de l'octar. Non. Bon, bah c'est GG. Allez, on en est bon pour en faire une. Putain. Ah, 3 défaites de suite, là, ça fait mal, hein. Ah, là, là, ça commence à piquer mentalement. Hein. Ouais, c'est ma dernière, en espérant qu'elle dure pas 1000 ans. Ah, je suis deg. J'ai perdu qu'une tour. Je farmais le Loctar. J'ai enfin réussi à retoucher la, la mine d'or. Ah, il y a tellement les boules. Mon dieu, ça s'est rempli à une vitesse. Ah bah le Murloc qui était avec nous la partie d'avant, il est en, il est contre moi sur la lane en face. Quand je suis de ton côté, je perds étonnamment. Oui, bien sûr. Oh, les nolls. Et en face, on aura les démons. Waouh. Ah. Si on a les démons contre nous, les Wild Hog, pour un stun, c'est... Affected by Hog Meat. J'ai jamais dépassé 10 minutes de game avec l'Aignol. Je peux même pas savoir si c'est bon ou mauvais en fait. C'est un stun de 0,5. Ah, mais le poaching il est trop bien, 30% de vitesse d'attaque. Non, vas-y, bah les couilles, je pars sur la châssis, les gars. Vraiment, c'est trop bien le système de poacher. Je veux faire une game avec les gnolls. Les deux fois où on a une gnolle, une fois ça a planté à 6 minutes, la deuxième, il y a eu un rush kit à 10 minutes. Donc du coup, on a remake. De vitesse d'attaque. Je devrais pas rusher le poaching contre les démons parce que ça a pas donné beaucoup d'or. Par contre, le poison. Ah, le poison, il faut que je le prenne. Absolument. Du coup, Ice Troll contre Bandit pour le mid. Alliance contre Elf de la Nuit. C'est pas des setups que je vois souvent. Il a pris Greed is Good, le Bandit. Ça, t'as de la chance parce qu'il aurait pris la cape d'invisibilité là. Avec le Blizzard. Eh ben, bah. Ça t'aurait bien fait chier, hein. La résistance de magique de 25%. Oh, tu l'aurais payé cher, hein. Je vais rusher le poison. Hein. Je vais rusher le poison. Parce que je sais que ça va être des grosses unités en face. Our allies' town needs help.
suis désolé, mais je crève la dalle. Hein. D'habitude, je me fais un goûter. Hein. Sur les coups de 23h. J'étais tellement dégoûté par les défaites à la chaîne que j'ai complètement oublié d'aller me chercher un truc à griller. $700 le poison. Le blizzard est bien tombé, mine de rien. Je vais pouvoir garder la mine d'or comme ça. Là, je suis sûr de récupérer le... au moins ce spawn-là. Et 23 balles. Allez, let's go. Our allies town is up. Gnofredzi, c'est tellement dangereux. Toutes les unités, plus de vitesse d'attaque, plus de vitesse de mouvement. Donc Ragdor, on l'a pas. Hull Poaching, oh non, c'est des démons, je devrais pas faire ça. Je vais faire les upgrades vie dégâts. Parce que là il me bouffe trop vite. Presque aussi vite que moi qui bouffe dans les chips. Hein. Après c'est normal, le poison il est en train de se faire. Je devrais passer un tiers 2 pour avoir un tank un peu plus solide. Non. Ah, on a le poison. Eh ben heureusement que j'ai pas pris le poaching, parce que si j'avais pris le poaching, je me ferais vraiment ouvrir. Oh, ah, oh, mais le poison, ça marche aussi sur les tours. Ah, oh, c'est trop bien. Ah, oh, comment c'est trop bien. L'humain est en train de rouler sur les ailes de la nuit. Il y en a au moins un qui gagne sa lane, hein. Ça fait plaisir de voir que c'est encore possible. Alors, ça existe encore des gens qui gagnent leur lane? Moi, je pensais que c'était un mythe. J'arrête de taper dans les chips, sinon je vais bouffer le paquet entier. Je me connais. C'est compliqué, hein, de mon côté. Hein. Je mise sur le poison, mais à fond. Vraiment. C'est au niveau, niveau tech. Il y a plus de tech que moi. D'accord. J'ai récupéré ma putain de forge.
Non, s'il vous plaît, reprenez-la avant le début du fight. Non. Parce qu'il a, il a mis 3 upgrades dans l'armure et 1 dans 1 d'attaque seulement. Non. Non. S'il vous plaît. Avec les 100 balles, je vais pouvoir améliorer le chenil. Hein. C'est quand même con hein, que la seule partie qu'on va faire avec les gnolls qui dure plus de 10 minutes. Comptant contre les démons, la race qui a un bonus d'or à chaque fois qu'ils font un kill avec leur unité à distance. C'est quand même dommage. Hein. Quand même un sacré manque de peau! Rajouter un poacher, rajouter un shooter de sort. D'ailleurs, c'est quoi leur sort? Parce que moi, je les ai jamais vus. Jeter peur. Baisse la vitesse d'attaque de l'ennemi de 15%, dure 60 secondes. Oh, 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 c'est bien contre les démons, ça. Un debuff. Hein. Contre une grosse unité qui dure une minute, c'est intéressant. Parce que je sais que de toute façon, ils me niqueront une vague. Il me faut deux vagues pour que j'en bute une de chez eux. Du coup, un debuff comme ça, c'est plutôt intéressant. C'est comme le poison, c'est un truc qui va débuter sur la durée, ça m'intéresse. Ah, ils reprennent la forge! Mmh. Ouh là là! Ça commence à monter. Poison, il tabasse pas mal. Hein. Je vais faire les... Ah, 150. Niveau 1. Ah, mais c'est... T'as plus d'upgrade... Ah, mais t'as plus de corps à corps que de distance. Oh. Donc, leur recherche cheapo, c'est les arbalètes, en fait. Oh. Allez, 11 balles. Hein. Ah, si. Ah, le poison, si, si, si. Après, les diabolistes, bon, c'est leur jeteur de sort. Mais tout de même, hein. S'il te plaît, reprends la forge, frère. On a besoin de l'aura, vraiment, ça urge. Je veux ce bonus de dégâts, là, pour que ça aide l'Alliance à encore plus tabasser l'Elfe de la Nuit et puis aider Lycos sur sa lane où il se fait défoncer. Voilà. Oh, il a deux casernes niveau 2 et une niveau 3. Il va falloir qu'on augmente. Ah ouais, ah faut augmenter là. Les diabolistes, ils ont combien de vie? 643? Le mien, il a 363 de jeteurs de sort. Ah ouais, tain, la différence, elle est flagrante. Hein. Oui, oui, héros plus mortier, tout à fait. Hein. D'ailleurs, eux, ils ont un héros, pas nous. Il fait son héros, le... Ouais, ouais, il est en train de faire son keep niveau 2, parce que eux, ils l'ont depuis un moment. Hein.
Parfait, on aura le chenille niveau 2 comme ça. Il faut que j'aie ton blizzard pour pouvoir emporter une wave, c'est terrible. Il a pris la quête ou pas? Non, il a les fantassins des exclus. Oh, la mêlée va pas arriver pour couvrir les distances. Tapez la mine, arrêtez-vous. Allez, allez la mêlée. Allez la mêlée. Parfait. C'est bon. Oh, un combat où notre wave va enfin stacker. J'ai pas assez de mêlée, c'est un truc de dingue. Hein. Bon, par contre, le poison, vraiment bon hein, contre les démons. J'arrive à monter sur ma lane. 160 km, Scott. C'est ce que j'ai dû faire à l'arrière d'un camion pourri sous la flotte. 160 km. Oui. Oui, je vais enfin récupérer la mine d'or. 15 minutes. 15 minutes pour la récupérer, cette mine d'or. Arg. Ah, je vais savourer chaque piécette, petite piécette sonnante et trébuchante. Ah, je vais les goûter. Je vais passer ma langue dessus, je vais me les caresser sur les tétons après. Oh là là, ah, 15 minutes. 15 minutes pour l'avoir, cette mine d'or. Nom de Dieu. L'alliance... Non, l'alliance tient bon, quand même, de rien. Allez, chenille, là. Ah, mais il a sorti son héros, c'est pour ça, on remontait. Le Tichondrius. C'est pour ça. Il a dû sortir 2500 balles. Bon, nous on est parti sur le poison très tôt. Je pense que c'était... Je suis parti sur le poison trop tôt. J'aurais peut-être dû faire les T2 avant de partir sur le poison. C'est pour ça on a niqué le early. Parce que le T2 c'est quand même 1500 balles. Plus le poison, 700 balles. Bon, les 1500 c'est perdu. Par contre les 700 du poison, c'est utilisé. J'ai enfin repris le top. Et je touche une nouvelle fois les tours. Pour la seconde fois. On se fait pull sans surprise. Oh, quoi que. Ah non, il y a eu séparation. Ah, c'est bien de voir un ennemi dépenser de l'or là, quoi. D'habitude, c'est moi qui est dans cette position. Ah, ça fait plaisir. Allez, la mine d'or, là. On va pouvoir la faire fonctionner, là. Faut la tenir, maintenant. Est-ce que le blizzard est bien tombé? Non. On a encore le point, ils ont pas encore spawn. 7 secondes. Alors, on va se battre dans leur tour. Putain, ça saoule. Ah, oh, oh non, non, c'est bon, on se bat pas dans leur tour. On va quand même faire une upgrade de mêlée. Je vais commencer le poaching vu que j'ai enfin récupéré ma lane. Bon, il est un héros maintenant, c'est ça le problème, donc il risque d'influencer sur notre lane.
Avec la vague là. Le Carrion Swarm est vraiment terrible. Et je vais prendre aussi Kno Frenzy. C'est un peu à double tranchant. T'attaques 25% plus vite, je prends 50%. Je devrais le garder pour plus tard en vrai. Ça faut le faire, mais il faut enchaîner les upgrades. Quoique ça touche pas les Hog Rider, donc je vais le faire. Mais non, en fait, c'est les Gnohammer que ça touche. On les a pas, les Gnohammer. C'est les Flaypaw, la première unité de mêlée. On va monter le poaching. Parce que c'est clairement mes arbalètes qui font les kills. Petit gnoll. C'est bien, on garde la mine d'or hein, du top. Lycos se fait toujours... se fait toujours bien attaquer. L'humain a perdu 2 tours. Waouh, il a grave remonté le lève de la nuit. C'est passé quoi? Putain, pourquoi est-ce qu'à chaque fois je gagne ma lane, Vous perdez les vôtres et quand je la perds, vous la gagnez. C'est incroyable, je suis jamais le mouvement, quoi. Vraiment, le... Une boule de feu. 250 dégâts et un stun de 3 secondes. On avait dit Gno Frenzy. Oh, le poison, c'est 1400. JT Gnoll, putain, c'est cher, hein, pour 8% de vitesse d'attaque. Après, le mouvement me permettrait de resserrer plus mes lanes, enfin mes waves, pardon, sur ma lane. Parce que comme le démon met du temps à apparaître, JT serait intéressant. Je vais mettre un point dedans quand même. Plus 3 balles. Après, Nico s'il gagne de l'XP. Il est prêt. Ça y est, il a fait la milice, donc normalement on n'aura plus jamais besoin de le heal. Très bien. Poaching, ça coûte combien maintenant? 500. Ça va, c'est hyper abordable, hein, niveau 3. Il y a des recherches qui coûtent 700-800 au premier niveau. Je vais faire le heal aussi quand il y a un Hog Rider qui meurt, ça laisse de la viande qui soigne 8 alliés proches chaque seconde pendant 5 secondes. C'est quand même très bien, ça fait 150 HP. Ah, j'avais oublié qu'il faisait le filet aussi. Oh, j'ai oublié de faire le filet. Je pensais que c'était un filet contre les volants, mais non, c'est un filet. C'est un filet qui empêche de bouger au sol. Putain, comment j'ai pu oublier cet upgrade indispensable? Ah oui, c'est vrai, j'ai jamais fait de game avec l'Aignol, c'est ma première. Si, c'est 10 minutes, hein, mes games en tant que Nol. Hein. Flip
Pugnolamer. 10... Ouais, c'est un coup critique. 10, 20, 30, 40% de chance de faire 2 fois de dégâts. Allez, recrute. Recrute, j'ai besoin de faire de l'or avec mes poachers, recrute. Plus 6, let's go. Moi, c'était tout ce que je voulais voir, le petit plus 6 d'or. Ah, Furion qui vient filer un coup de main au démon. Avec une petite tranquillité des tréants. Ça va être compliqué. Flepo et Gnohammer, 20%. 20% de lifesteal. Je devrais passer les chenilles au tier 4. Je gagne un poacher. Je sais qu'il faut les héros, mais je suis pas confortable avec les gnolls. Déjà, j'ai repris ma lane contre toute attente et je suis en train de la reperdre là. Parce que les héros, moi je suis Meatball, Sage Po, Ogre. Mais les héros. Hein, j'ai déjà deux poachers, hein. Donc ça rajoute un jeteur de sort. Une boule de feu, 250 et un stun. Je vais faire ça. Faire coaching, ça fait toujours de l'or. On va mettre un niveau dans les filets aussi. Parce que là, ça va, il y a un blizzard qui est bien tombé. Chondrius, quel héros faire. Plus de vitesse d'attaque. Un mana shield de Sage Po. Chaîne d'éclair, fourche d'éclair. Thundershock, baisse l'attaque du héros, la vitesse d'attaque. Ah oui, ça baisse ses dégâts, sa vitesse d'attaque, sa vitesse de mouvement pendant plusieurs secondes. En défense, après c'est dégâts pris de dégâts persins et magiques, mais vraiment c'est pas fou. Mais il y a la vague de choc. Vas-y, en vrai, je vais faire un héros. Juste pour l'onde de choc. Et je fais un héros force parce que Ticondrius, Malph, je les sens pas quoi. Je les sens pas du tout. Par contre, ça fait cher quand même. 1000 balles le héros. C'est bon, Gnome Frenzy, on est maxé. C'est Berserker en fait. C'est un berserker, mais doublé en fait en termes d'effet. La vitesse d'attaque est vraiment surabusée, mais les dégâts augmentés sont surabusés. Oh bah j'ai gagné un tas de games en tant que mêlée, hein. Ticondrius, c'est un mêlée, hein. J'ai fait plein de games avec Ticondrius. Tu sais, dans toutes mes parties démons que j'ai pu faire. Faut pas croire, hein. Putain, tout le monde est en train d'upgrade. J'aurais bien voulu te lâcher un heal, mais. Putain, j'aurais pas lancé mes upgrades si j'avais su.
270. Je vais prendre l'aura de vitesse d'attaque sur les poachers, ça peut être très bon ça. Il a pas de mana, Meatball. Oh là là, j'ai fait deux ondes de choc, c'est fini. Je fais maxer l'aura. Augmenter le poison aussi. Ma source de dégâts, c'est vraiment les poachers. Là, je joue vraiment le gameplay commandant avec Meatball. Hein. Je suis là pour faire l'aura, je reste derrière. Hop, celui-là, Ticondrius, là, même pas en rêve, je tente un duel contre ce mec. Il a des bots, j'en ai pas. Il peut slip, je peux rien faire. J'ai récupéré la mine d'or contre toute attente. Non, que j'aille acheter mes bottes. Je vais filer un coup de main au mid. Oh putain, il y a des catapultes contre les bandits. Enfin, les bandits, ils ont des catapultes, pardon. De toute façon, Ticondrius, il va repousser ma lane. Faut que je me jette dedans. Et je me suis jeté dedans, quel imbécile. Nom de Dieu. Il a pas de mana, Meatball. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! T'as fait me coincer. J'ai bien fait de pas relancer une upgrade pour balancer un heal au moins. Ah, Ticondrius, il push, hein. Je vais mettre un niveau de mes tours. Parce que là, s'il m'accule dans ma base, je vais avoir l'air très con. Oh, le plus 12, plus 12, plus 12. Oh là là, oh ça fait jouir de voir les plus 12, là. Oh le poaching, oh le beau poaching. Qu'il est beau, le poaching. Qu'il est goûtu. Oh le plus 12, oh là. Oh le pognon que ça fait quand tu l'as augmenté. Ah oh, c'est vraiment bien. Que je garde au moins l'aura dessus sur mes troupes, je parle. Il a que 6600 de vie max, Ticondrius. Il a pas acheté de gemme de vie, il a vraiment que des bottes quoi. C'est pas grave, j'ai réincarnation, c'est pas une mort. Tout va bien. C'est pas une mort, j'ai réincarnation, pas de panique. Ok. Ah, c'est pas mal la réincarnation pour se permettre ce genre de petite folie là.
Ah merde, il se fait push, Lico, j'avais pas vu. Ah putain. Ah, j'ai posé deux healing extremis sur ta tour. Je peux pas faire mieux là. On en emmène vers chez moi. Ok, ça c'est du teamwork. Allez, let's go. Puis c'est bien, ça va faire du poaching en plus. Fouf. J'ai une upgrade qui va se terminer, je vais relâcher un heal. Attention, j'ai plus la réincarnation. Hein. Si je claque. Oh, oh, alors ça, ça c'est un bel ulti. Petite onde de choc, j'ai récupéré la mana, mais à la seconde où t'as fait ton ulti. Chez moi, chez moi, chez moi de ouf. Putain, j'avais pas vu. Ah là là, ils m'ont niqué deux tours. Putain. Bon, bah voilà, notre allié Rage Kit. Une nouvelle fois. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon bah, j'ai gagné un sacré paquet de pognon vu que j'ai perdu deux tours. Quelle déception. Putain, c'est cool parce que j'adore les gnolls. Mais Meatball, il a pas assez de mana. Hein. Jette un sort toutes les deux minutes, c'est un cauchemar. De vitesse d'attaque supplémentaire. Putain, l'aura, elle est dingue par contre. Elle est vraiment dingue. Oh, putain, j'ai vraiment essayé de la sauver, mais non. T'as poulé des troupes jusque là. T'as fait un tour de map. Incroyable, il a tiré des bandits jusque là. Bandits du mythe qui sont revenus dans la jungle par le dessus. Ah ouais, quand même, hein. Ah oui, quand même, hein. Putain, moi, il y a un truc que je comprends pas. Les Gnouhammer. Hein. Ah, c'est ces mecs-là. Ah, mais les Gnouhammer, c'est l'unité de siège. Oui, 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 oui. Courage, je suis un sacré tank. Il peut me buter, hein. Il peut me buter. Il va juste mettre un sacré paquet d'auto-attaque. En plus, j'ai pas de bot, donc il peut largement me rattraper. Ah,
Oh là là, attends, ça saoule. Ils ont fait des mortiers là. Qui revient. Ah, oh, ça saoule. Ah oui, ah bah ils ont wipé le jaune. Ok, d'accord. Moi je pensais qu'il tenait encore un peu, mais non, là ils l'ont wipé. Ah ouais, bon, on se fait du mal là. Là, on se fait du mal pour rien. Putain, c'est trop dommage. Putain, on avait enfin les gnolls. Chier. Eh ben, ça aurait été une catastrophe ce soir. J'ai fait une petite game cet après-midi, heureusement que j'en ai gagné une, parce que la vache, dès que je suis en stream, c'est quelque chose. Ah, puis en plus j'avais dit que c'était la dernière, donc va falloir terminer là-dessus, quoi. Incroyable. Bon, après, les gnolls, c'était notre première game, c'était pas fantastique. J'aime beaucoup les gnolls, mais contre les démons, je pense pas que ce soit un bon match-up. Alors, en fait, il aurait fallu que je fasse les 3 casernes T2 et ensuite que je fasse le poison. Et moi, je suis direct parti poison. C'était une très mauvaise idée. Ce qui fait que j'ai perdu le early. Je suis quand même remonté, hein. Je suis quand même remonté parce que autour des 15 minutes, j'ai tenu la mine d'or un sacré paquet de temps. Après, bah, y a eu les héros adverses qui étaient faits depuis un moment, parce que moi j'ai fait mon héros bien après. Je t'ai vengé, hein. Je t'ai vengé, mais je vais y passer. Ça compte pas si je quitte. Le gros lâche. Non, en plus il se barre, il y avait la tour qui était en train de le focus. Bon les amis, malheureusement, bah, ça n'aura pas été exceptionnel. Hein. Ah non, là ça a été une catastrophe hein, cette soirée. Pas une win. Il y a eu le rage kit là. Et le murloc de tout à l'heure, là, le jaune, hein, qui était mais giga toxique. Vraiment, il était insupportable. Il était insupportable. Au bout de 10 minutes, je l'ai mute. J'ai fait non mais stop quoi, vraiment. Il me dit de faire un truc, je le fais, il est pas content et tout. Donc au final, c'était la pire expérience. Sinon, là le mec s'est juste cassé. Et, bah, y a rien eu. Bah, il perdait et puis ça l'a saoulé, quoi. Ok, ok. Bon, malheureusement, c'est la fin de ce stream. Et surtout de cette VOD pour nos amis de la chaîne. Malheureusement, pas de win. Pas de win. Bon, on va devoir s'arrêter là. Ouais, sur ça, c'est terrible. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente nuit. Merci à tous ceux qui sont venus faire coucou, qui ont follow et qui sont venus participer au game. C'était la chaîne de Fer, je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort les amis. Je vous souhaite une bonne nuit, bien évidemment. Et ciao à la prochaine. Salut, la grosse bise.